Je m'appelle Pierre Jacob, je suis artiste plasticien, j'ai fait une carrière d'architecte et de designer. Et aujourd'hui, je peux me consacrer à plein temps à la peinture, au dessin et à la production de choses un peu différentes comme celles qu'on voit ici, qui sont un travail vraiment de plasticien. Je fais beaucoup de dessins, beaucoup de croquis. J'ai toujours dans la poche un carnet de croquis. On fait des choses comme ça. Au stylo à billes. Et puis, cette documentation me sert de terrain fertile pour piocher des idées pour les projets de peinture. Donc, d'ailleurs, les dessins qui sont ici sont presque tous inspirés de ces croquis qui ne sont pas préparatoires, qui sont des croquis automatiques, qui des fois j'en fais moins, des fois j'en fais plus. Pour les conteneurs, donc les conteneurs, c'est un projet que j'avais en tête depuis déjà 2-3 ans. J'avais fait un premier projet avec la ville de Paris qui n'a pas été retenu. Je l'ai gardé sous le coude, si on peut dire. Et quand l'occasion s'est présentée de faire quelque chose ici à Saint-Gobain, dans cette magnifique chapelle, j'ai repêché dans mes projets de la ville de Paris des idées et j'ai remouliné avec ici des peintures, alors qu'à Paris j'avais que la bonbonne à verre. Donc ici j'ai refait un travail beaucoup plus complet avec donc effectivement ces deux containers à verre, là, ces deux bonbonnes à verre, et puis les peintures qui sont au mur et les impressions numériques. Donc ici j'ai une dizaine de tableaux qui accompagnent la présentation des containers à verre. L'exécution du mapping sur l'objet, c'est pas moins de 2 semaines, de ces 2 semaines de travail. Pourquoi ? Parce que quand elle est brute, la coque, là il y en a deux, il y en a une qui est en résine polyester armée et une qui est en PVC. On ne peut pas peindre directement sur ces matières-là. Il faut faire une préparation avec une sous-couche d'accrochage pour pouvoir peindre après. Donc il y a déjà une journée de travail pour le ponçage et la couche d'accrochage. Ensuite, une journée de travail pour la peinture du fond, pour homogénéiser la teinte. Donc il y a 2 journées de travail. Et puis après, la construction des motifs et l'exécution proprement dite de la peinture. Donc là, c'est à la peinture blanche et noire, sur un ensemble gris. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars, c'est la reprise. Bien, tu as l'honneur d'être l'artiste, l'exposant qui réalise la reprise de la saison culturelle, si j'ose dire. Aujourd'hui, en tout état de cause, c'est l'exposition de Pierre Jacob. Alors, des conteneurs à verre, des conteneurs urbains, des tableaux. Félicitations pour ton travail. Si Pierre est arrivé, alors qu'il est originaire et qu'il vit en Seine-et-Marne, à quelques centaines de kilomètres d'ici, il vit en Seine-et-Marne, c'est pas l'association France Chine Art Exposition, sans oublier que dans quelques semaines, monsieur et madame Wen seront dans cette salle pour exposer. Voilà. Je vous invite à partager le verre de l'amitié et encore une fois, n'hésitez pas à échanger avec Pierre. Je crois que c'est aussi une manière de le remercier et de le féliciter. C'est de lui dire tout l'intérêt qu'on porte à son âme et à son œuvre. Merci.